And today it's our ninth session. This session is brought to you in collaboration with Assist International. Cette session vous est fournie grâce à une collaboration entre Assist International, Médecine et ECHO. Nous allons utiliser la fonction des questions-réponses. Si vous avez des difficultés techniques, veuillez envoyer des messages par le chat. Tapping on the speakers on your phone on the top left, or try using headphones. And if you don't solve the problem, si vous avez des difficultés à écouter, vous pouvez soit utiliser un écouteur et vous connecter. Discussing pediatric considerations for la session 9 discutera des considérations pédiatriques de l'oxygénothérapie et les soins intensifs. Les panélistes sont invités. Pour les participants, une interprétation en français est disponible. Il faut cliquer sur le bouton de l'interprétation en bas de votre écran. Je voudrais inviter Dr. Dati à prendre la parole. Thank you very much, Kevin. Merci, Kevin. I want to welcome all of you warmly to the bienvenue à tous à cette neuvième session sur les considérations pédiatriques et intensives. Les panélistes sont Dr. Salim Ibrahim de l'Université de Bauchi, Dr. Irène de Edo au Nigeria, Dr. Henri Ambou de l'Université Teaching Hospital. Federal Medical Center Yola. Dr. Moussa. We are supposed to have Dr. Moussa. Nope. Moussa Kalamu from. Dr. Moussa Kalamu devrait être avec nous depuis Libreville, mais il ne sera pas avec nous. Moronvi, il ne sera pas avec nous. Sorry, Dr. Astamaina is available, sir. Dr. Hassan est disponible. Hassan nous a rejoint. Donc, vous êtes tous la bienvenue. So, we have a six-year-old male child. Nous avons un garçon de 6 ans qui présente une respiration sifflante et des difficultés à respirer. Well, this is just to remind us about pneumonia, how. Donc ceci est juste un rappel sur l'importance de la pneumonie en termes de décès des enfants de moins de 5 ans. Now we need to remind ourselves of the change, the practice change objectives, what we hope to change. In our practice, in our various. Espérons nous changer dans nos pratiques par cette session. Connaître les différentes options d'approvisionnement en oxygène pour divers établissements de soins de santé publique. Connaître les différents dispositifs d'oxygénothérapie disponibles pour les patients pédiatriques. Reconnaître les objectifs de SpO2. Pour divers patients et diverses conditions, comprendre et traiter les conditions, les maladies menant à l'hypoxémie chez les patients pédiatriques, reconnaître l'hypoxémie lors de l'examen clinique des patients pédiatriques,
diagnostic considerations for comprendre les considérations diagnostiques pour les patients pédiatriques en hypoxémie. Prescribe oxygen therapy for prescrire de manière appropriée l'oxygénothérapie aux patients pédiatriques et enfin mettre en œuvre des options thérapeutiques appropriées pour les patients pédiatriques souffrant d'hypoxémie. Donc ça, c'est les objectifs de changement de pratique que nous espérons. The six-year-old male child with no significant past medical history. Donc, c'était un garçon de 6 ans sans bilan médical significatif qui se présente au service des urgences avec une respiration sifflante et des difficultés respiratoires accrues. Ces symptômes ont commencé il y a 12 heures. Il a été moins actif au cours des dernières 24 heures selon sa mère. Sa mère décrit également 5 jours de fièvre avec une température allant jusqu'à 39,3 degrés Celsius. Donc, il a reçu un check-up respiratoire et des tests rapides de SARS-CoV-2 il y a 2 jours, et les deux étaient négatifs. Un examen. Donc, lors de son test respiratoire et des examens COVID, il n'y avait aucun symptôme. Cependant, sa mère rapporte que ses yeux étaient rouges et qu'il avait des rougeurs, un gonflement des mains et des paumes. L'enfant présente également, la maman rapporte également qu'aujourd'hui, ses yeux sont gonflés et la tante de la patiente de l'enfant vit dans la même maison et a eu le COVID-19 il y a 3 semaines. Son seul symptôme était l'anosmie, donc l'impossibilité de sentir les odeurs. Donc, l'histoire, les antécédents de naissance, c'est que c'est un enfant qui est né par voie vaginale de façon spontanée à 32 semaines d'aménorrhée avec une pré-éclampsie sévère, 4 semaines en unité de soins intensifs néonatales pour alimentation et croissance. Il n'y a pas eu de ventilation mécanique, pas d'antécédents médicaux particuliers. Comme antécédent chirurgical, c'est une appendicectomie en 2009. L'enfant vit à la maison avec ses parents, ses grands-parents, sa tante, son oncle, le paternel, et sa tante avait la COVID-19. L'enfant est à jour par rapport à sa vaccination, sauf pour la grippe annuelle. Il a eu des difficultés à accéder à la clinique en raison de la pandémie. Il n'y a pas de traitement médical en cours ni d'allergie. Donc, la pratique que nous allons adresser maintenant, c'est de connaître les différentes options d'approvisionnement en oxygène pour divers établissements de soins. Dr. Salim. Nous amènerons à partir du premier segment. History of the child, he has respiratory symptoms, which means that he may require oxygen. So now, l'enfant pourrait avoir besoin d'oxygène puisqu'il a des difficultés respiratoires. La question c'est so now, I wish to encourage the participants if we can take 45 seconds to type in. Nous encourageons les participants à introduire leur réponse dans le chat box. Et la question c'est d'énumérer 4 sources d'oxygène de qualité médicale. Et comment les 4 sources se comparent entre elles.
Donc, quelles sont quatre sources d'oxygène de qualité médicale? Donc, nous avons la réponse. Concentrateur d'oxygène, cylindre à oxygène. The question says, list four sources of medical grade oxygen. And how do the four sources of oxygen compare? That is in terms of advantages and disadvantages. Donc, quels sont les avantages et les désavantages des sources d'oxygène? Facility that we work, we must have oxygen source. So the oxygen source, the four oxygen sources that are available are one, like most of the respondents have given the answer correctly. We have oxygen cylinders, we have oxygen concentrators, cylinder have oxygen, le concentrateur d'oxygène, la bonbonne, primary, secondary oxygen, et list for the oxygen cylinder and oxygen concentrator, they are expected to be available even at the primary health facility. Whereas le cylindre sont disponibles au niveau périphérique. Mais pour l'oxygène, c'est à des niveaux plus supérieurs. Pour le système d'oxygène, vous n'avez pas besoin de source d'électricité. Pour les hôpitaux qui n'ont pas d'usine d'oxygène, cela signifie comme implication qu'ils auront à déplacer les cylindres d'oxygène. Pour le concentrateur, il permet un approvisionnement continu en oxygène, mais il nécessite un approvisionnement en électricité. Il requiert de la maintenance régulière. Pour l'usine d'oxygène, il est recommandé pour les formations sanitaires de niveau secondaire et tertiaire. Il fournit de l'oxygène en continu. Mais comme les avantages, c'est qu'il faut un lourd investissement financier. Et requiert également l'approvisionnement en électricité continue. Il n'est pas disponible chez nous. Pour l'oxygène sous forme liquide, l'avantage, c'est que l'oxygène est amené sous forme liquide. Pour un litre, vous avez presque 860%. Il requiert de l'hygiène. Et il y a également un risque de fuite de gaz.
Dans la ressource, vous avez un tableau avec une description, une comparaison des différentes sources d'oxygène. Vous pouvez donc prendre du temps plus tard pour mieux mettre à jour vos connaissances à ce sujet. Donc, vous avez le CDN, le concentrateur, les usines d'oxygène et l'oxygène comme liquide. Donc, cette ressource est disponible pour nous tous pour que nous l'exploitons, l'explorions. La question qui suit, c'est quelle La question qui suit, c'est lesquelles des sources d'oxygène suivantes sont disponibles dans votre établissement? Donc, un concentrateur d'oxygène, deux, bonbonne d'oxygène, trois, réservoir d'oxygène liquide, quatre, usine d'oxygène PSA et cinq, pas d'accès à l'oxygène de qualité médicale. Donc, veuillez mettre dans le chat le numéro qui correspond à votre situation. Nous avons 15 secondes pour compléter les réponses dans le chat. Donc, la majorité a l'oxygène, les concentrateurs et les bonbonnes d'oxygène. Ok. Certaines personnes qui ont l'usine d'oxygène. Donc, cela signifie que nous avons tous de l'oxygène dans nos formations sanitaires. Merci. Merci, docteur Salim. C'est intéressant de voir qu'il y a tout au moins des sources d'oxygène dans nos hôpitaux. Nous avons une mise à jour du cas. Les signes vitaux pour cet enfant, c'est la température à 39,3 degrés Celsius, élevée. La fréquence cardiaque à 135 battements par minute, une tension artérielle à 110 sur 32, avec une tension artérielle moyenne à 45, une fréquence respiratoire à 35, la saturation poussée en oxygène à 8%. L'objectif de changement de pratique, c'est de connaître les différents dispositifs d'administration d'oxygène disponibles pour les patients en pédiatrie. Henri va nous aider à parcourir ce segment. Bonsoir tout le monde. Nous allons parcourir certains dispositifs de l'administration d'oxygène au passé. Il y a une question? La question ici est de savoir quels sont les appareils utilisés pour administrer l'oxygénothérapie aux patients pédiatriques. Je
chers participants, veuillez, s'il vous plaît, mettre dans le chat les dispositifs que vous connaissez. Donc, vous avez 40-45 secondes pour introduire dans le chat vos réponses à la question. Merci. Nous attendons les réponses. Cathéter nasal, masque facial simple. Cannule nasale. Masque facial, masque cathéter nasal. Pince nasale, nous avons de très bonnes réponses disponibles. Nous avons qui est là disponible. Nous avons les broches nasales. Je vais chez les patients en néonatologie avec les flux, le débit, selon l'âge des enfants que vous voyez là. Donc, pour les enfants allant à l'école jusqu'à 6 litres, pour les nouveaux-nés, 5 à 1 litre par minute. Nous avons ensuite le cathéter nasal avec le débit, 0,5 pour les nouveaux-nés et 1 pour les enfants. Le cathéter nasopharyngé avec les débits qui sont là. Nous avons boîte masque facial, incubateur qui ne sont pas recommandés puisque l'oxygénothérapie n'est pas utilisée, l'oxygène n'est pas utilisé de façon efficace. Donc, ceux-là ne sont pas recommandés. Nous sommes dans un environnement à ressources limitées. Et nous avons besoin d'économiser ce que nous utilisons. Donc, tous ces dispositifs sont non-invasifs pour délivrer de l'oxygène aux patients. Donc, vos réponses sont disponibles dans le chat box. Les liens vers ces informations également sont disponibles. D'autres informations sont également disponibles dans le tableau. Merci. Merci, Henri. Vous connaissez certainement ces dispositifs d'oxygénothérapie. Et à partir du tableau, vous verrez ce qui est le plus approprié pour les enfants en pédiatrie. Nous avons des ajouts du cas. Les signes vitaux
sont maintenant pour la température 39,3 degrés Celsius, fréquence cardiaque a baissé à 130 battements par minute. La température est 112/38. La fréquence respiratoire monte. La saturation en oxygène est de 92% à 4 litres par minute par canule nasale. Donc, pour cet enfant, c'est la canule nasale qui est appropriée. Donc, il y a une amélioration de l'oxygène, de la saturation. Donc, là, est-ce que nous monitorons l'oxygène que nous prenons? C'est là que nous utilisons l'oxymétrie de pouls. Et quels sont les objectifs de saturation pulsée en oxygène pour les patients en pédiatrie? Je demanderai à Irène de nous faire explorer cette Docteur Hassan, si Irène n'est pas disponible. Merci, Docteur Yati. La question suivante, c'est laquelle des phrases d'affirmation suivantes sont incorrectes concernant la thérapie, c'est les nourrissons. A. Tous les nourrissons de moins de 32 semaines de gestation pesant moins de 1250 grammes, et tous ceux qui ont reçu une oxygénothérapie doivent subir un dépistage de la rétinothérapie qui peut maturer à l'âge de 4 à 6 semaines. Et les nouveaux-nés nécessitant une oxygénothérapie doivent avoir des cibles de saturation oxygène de plus de 88% et de moins de 95%. Et l'apnée entraîne une bradycardie qui réduit davantage l'assistance ventilatoire néonatale doit être administrée avec une ventilation au max et une FiO2 à 100%. Donc, nous avons 40-45 minutes pour répondre dans le chat. Choisir les affirmations qui sont incorrectes dans le chat. Une réponse dit D, une autre D. Donc, tout le monde a répondu D. Pour la réponse A, les enfants prématurés sont susceptibles d'avoir une complication appelée rétinopathie du prématuré qui a l'oxygénothérapie. Et donc, l'enfant qui est sous oxygénothérapie va bénéficier de cette exploration. Pour la réponse B, elle est juste aussi. Nous ne voulons pas donner beaucoup d'oxygène à l'enfant. Donc, effectivement, à cause de cette rétinopathie, nous ne lui donnons pas trop d'oxygène. La réponse C, l'apnée en la bradycardie en hématologie. C'est une condition de la circulation et donc
de l'approvisionnement en oxygène pour les tissus. La réponse B. C'est la façon d'inspirer un oxygène. Et la FiO2 n'est pas censée aller jusqu'à 100%. Merci. Nous avons des questions. Lorsque l'oxymétrie de Pou n'est pas disponible, l'oxygène doit être admis à tous les nouveaux nés qui ont une cyanose ou une fréquence respiratoire de plus de 10 par minute ou qui sont trop malades pour se nourrir. Est-ce que nous pourrions avoir les réponses dans le chat, s'il vous plaît? Vrai ou faux? Nous avons les réponses qui commencent à venir. Vrai. Donc, toutes les réponses disent vrai. Merci pour la réponse. La réponse est vrai. Lorsque vous n'avez pas d'oxymétrie, vous n'avez pas d'objectif à monitorer, donc vous utilisez cette clinique. Donc, lorsque le patient ne peut pas manger, pour l'oxygène. La question qui suit est une question faux également. Chez les enfants vivant à haute altitude, donc au-dessus de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, la saturation normale en oxygène est inférieure à celle de ceux vivant au niveau de la mer et un niveau de saturation pulsée en oxygène tel que 87% ou moins pourrait être utilisé comme seuil pour donner oxygène. Vrai ou faux? Les réponses disent vrai jusque-là. La réponse est vraie. Donc, plus vous allez en altitude et vous allez en altitude, moins il y a d'oxygène. Donc, à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, la saturation pulsée en oxygène est plus basse. Donc, le seuil de 87% ou moins peut être utilisé comme un seuil d'oxygène de saturation pulsée en oxygène. La question est-il, les enfants atteints d'une maladie respiratoire vivant à moins de 1500 mètres au-dessus de la mer devraient recevoir une oxygénothérapie si leur saturation en oxygène est à moins de 90%, tel que mesuré par oxymétrie de Pou. Donc, est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est faux? Vrai, vrai. Vrai. Merci pour les réponses. Donc, c'est l'opposé de la question en haut. Donc, c'est la dernière question, c'est vrai ou faux également. L'oxygénothérapie, l'oxygène doit toujours être administré par intermittence, par exemple, les heures ou deux, et ne doit pas être administré afin de conserver l'excès d'oxygène. Vrai ou faux? Le monde dit faux et effectivement la réponse est faux. Si le patient a besoin d'oxygène, il faut lui en donner, il n'y a pas d'excuse pour en économiser. Et il n'y a rien de tel qu'une oxygénothérapie intermittente. Lorsque le patient a besoin d'oxygène, il faut lui donner de l'oxygène. Merci. Merci, docteur Hassan. Nous devons essayer de traiter les causes de l'hypoxémie pour pouvoir utiliser judicieusement l'oxygène. Nous avons une mise à jour du cas. Notre patient reste tachypnéique avec un évasement nasal, des rétractions intercostales, une SpO2 légèrement améliorée, stable à 92% avec oxygène actif par minute par broche nasale. Nous avons ces diagnostics différentiels suivants. L'asthme. Maladie réactive des voies respiratoires, aspiration de corps étranger, bronchiolite, COVID-19, pneumonie, infection des voies respiratoires supérieures, insuffisance cardiaque congestive, syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant, mucoviscidose, masse médiastinale, fistule trachéo-œsophagienne, laryngomalacie, reflux gastro-œsophagien, apnée obstructive du sommeil. Donc, nous allons voir la pathophysiologie avec comme objectif de changement de pratique, de comprendre et de traiter les maladies physiopathologiques. Les maladies physiopathologiques qui mènent à les maladies qui mènent physiopathologiquement à l'hypoxémie chez les patients pédiatriques. Irène n'est pas disponible, donc allez. Faites-nous explorer ce segment. Merci, monsieur. Nous voulons comprendre et traiter les conditions qui pathophysiologiquement mènent à l'hypoxémie chez les patients pédiatriques. Énumérer, la question c'est d'énumérer quatre maladies
de l'hypoxémie chez les nouveau-nés. Donc, nous allons maintenant identifier les pathologies primaires. Qu'est-ce qui cause le besoin d'oxygénothérapie? C'est ce que nous essayons d'identifier. Nous avons 30 secondes pour répondre à cette question dans le chat box. Quatre maladies de l'hypoxémie en néonatologie chez les enfants, chez les nouveau-nés. Donc, nous avons asphyxie néonatale comme réponse donnée, aspiration du liquide amniotique. Les réponses viennent. Bronchiolite, pneumonie. Maladie pulmonaire restrictive. Merci pour les réponses. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent entraîner l'hypoxémie chez les nouveau-nés. Pneumonie. Comme conséquence de la prématurité, par exemple, ou de l'hypoxémie. Donc, il y a quelques problèmes des enfants prématurés. L'apnée, l'hypoventilation et l'hypoxémie. Des enfants prématurés, apnée qui donne l'hypoxémie, qui diminue la fréquence cardiaque et la bradycardie, donc, et prenant une diminution de l'approvisionnement en oxygène, une hypoxie. Tant que nous avons une diminution de l'activité cardiaque, nous avons une diminution de l'oxygène disponible au niveau des tissus. Donc, nous allons voir la ressource. Un manuel de l'oxygénothérapie chez les enfants. Il y a beaucoup d'informations disponibles dans ce document. Certaines informations sont disponibles sous forme de graphique que vous pouvez imprimer et mettre dans vos salles de consultation.
Le lien vers ce matériel sera disponible dans le chat box. La question qui suit ressemble à la précédente. Énumérer 4 maladies de l'hypoxémie chez les enfants. Tout à l'heure, c'était cette donnée. Maintenant, c'est les enfants. Nous avons une interférence. Énumérer 4 maladies de l'hypoxémie chez les enfants. Les réponses peuvent être proposées dans le chat box. Nous avons 30 secondes pour fournir les questions, s'il vous plaît. 4 maladies de l'hypoxémie chez les enfants. Merci. Donc, nous avons les réponses. Asthme, pneumonie, épiglottite, asthme, donc, la plupart des hypoxémies, les enfants, d'origine infectieuse, donc la pneumonie, l'épiglottite. Mais nous avons d'autres causes comme l'asthme, le sepsis, qui sont des causes fréquentes d'hypoxémie. Donc, le lien vers le matériel qui répond, qui permet de mieux répondre aux questions disponibles dans le chat box sous forme de PDF disponible et téléchargeable. L'hypoxémie résulte d'une diminution de la saturation en oxygène de l'hémoglobine dans le sang artériel. Cela peut se produire de 4 manières différentes, à partir de faibles taux d'oxygène alvéolaire, de diffusion altérée au niveau alvéolaire donc, de liaison altérée de l'oxygène à l'hémoglobine. Donc, lorsqu'il y a une non-concordance entre la ventilation et l'oxygène, il y a également risque d'hypoxémie. La question qui suit, c'est de citer deux étiologies conduisant à de faibles niveaux d'oxygène alvéolaire. Nous avons 30 secondes pour répondre à la question.
30 secondes pour donner la bonne réponse. Donc, c'est des maladies, des étiologies sont des maladies qui sont en rapport avec la pollution de l'environnement, avec l'atmosphère. Donc, en cas d'hypoventilation, par exemple, il n'y a pas assez d'oxygène qui est inhalé. Donc, faible fraction inspirée en oxygène faible. Donc, les causes conduisant à de faibles niveaux d'oxygène alvéolaire sont en rapport avec les conditions atmosphériques. Nous avons une autre question. Quel type de toxique conduit à une liaison inefficace de l'oxygène et de l'hémoglobine? Et dans quel contexte cette intoxication est correcte? Nous avons une minute pour répondre à la question. La majorité des réponses dit l'intoxication au monoxyde de carbone et au. C'est vrai parce que le CO, le monoxyde de carbone, a une plus grande affinité à l'oxygène, à l'hémoglobine que l'oxygène. Donc, dans quel contexte est-ce que ce type d'empoisonnement se déroule? Donc, vous avez mentionné que c'est dans un environnement clos. Oui, un environnement clos.
La question qui suit, citer quatre causes de discordance entre la ventilation et la perfusion chez les patients pédiatriques. Quelles sont les quatre, causes de discordance ventilation-perfusion courante chez les patients pédiatriques? 45 secondes pour, comme d'habitude, répondre à la question dans le chat. Donc, pneumonie, insuffisance cardiaque anémique, sepsis, maladie cardiaque congénitale, insuffisance respiratoire, apnée du sommeil obstructif. Donc, nous l'avons dit, les infections sont une grande cause d'hypoxémie. Donc, la pneumonie, la bronchopneumonie, le sepsis. Le syndrome de détresse respiratoire est l'asthme. Donc, toutes ces situations peuvent être une discordance entre la ventilation et la perfusion. Chez les adultes, nous avons des maladies comme l'embolie pulmonaire qui peuvent en être la cause. Merci, docteur Salim. Ce segment, il est long, mais nécessaire. Nous allons faire plus vite. Nous avons moins de temps. Nous avons des questions et de très bonnes réponses également. Donc, les enfants de 6 ans peuvent avoir des maladies congénitales cardiaques. Le squatting chez ces enfants souvent sont intoxication au monoxyde de carbone. Donc avec l'oxymétrie de poudre dans le cas de l'intoxication au CO, vous avez une fausse augmentation de l'oxygène au niveau des tissus. Nous avons une mise à jour du cas. Notre patient reste tachypnique avec un évasement nasal stable et des réfractions intercostales. Nous avons des examens de laboratoire avec un nombre de globules blancs à 2000, des plaquettes à 110 000,
une TRT à 30 mg par litre. Une radiographie thoracique montre des capacités multifocales bilatérales en verre de poly et de l'espace aérien de consolidation, une cardiomégalie et un épanchement pleural latéral. Donc, quelles sont les diagnostics que nous pouvons éliminer? Les diagnostics différentiels qui à ce moment sont la bronchiolite, la bronchite, la COVID-19. Donc, souvenez-vous que l'attente de l'enfant a été pneumonie, l'insuffisance cardiaque congestive, le syndrome inflammatoire multisystémique. Cet enfant a besoin d'un examen clinique et les objectifs de changement de pratique, c'est de reconnaître l'hémie lors de l'examen clinique des patients en pédiatrie et de comprendre les considérations diagnostiques pour les patients en hypoxie. Regardons la vidéo. Merci, docteur Dati. Merci à toi. A établi ce manuel-là, donc vous avez déjà le lien dans le chat box. Donc, les recommandations pour détecter. Les recommandations consistent à utiliser l'oxymétrique de coup pour détecter l'hypoxémie. L'oxymétrique de coup est utilisée pour détecter la présence d'une hypoxémie et guider dans l'administration de spirothérapie chez les enfants. C'est une recommandation, une forte recommandation. Seconde recommandation, c'est
On utiliser des signes cliniques pour détecter les signes de l'hypoxémie. Lorsque l'oxymétrie n'est pas disponible, les signes cliniques suivants peuvent être utilisés pour détecter l'oxymétrie. Donc, une cyanose centrale, les battements des ailes du nez, l'inhabilité à boire ou l'incapacité à boire ou à manger, une altération de l'état mental, donc une léthargie. Donc, c'est, en termes de qualité de l'évidence, c'est très recommandé avec une qualité de l'évidence faible. Dans d'autres situations également, l'examen clinique peut être dit, dépendant de l'état clinique. Donc, nous l'avons vu dans la vidéo tout à l'heure, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, sévère, une fréquence respiratoire à plus de 70 par minute ou plus, ou des mouvements de la tête, très recommandé. Nous allons à la question maintenant. Quels sont les défis principaux lors de l'examen d'un patient pédiatrique pour une hypoxémie? Quels sont les principaux défis lors de l'examen d'un patient pédiatrique pour l'hypoxémie? Veuillez, s'il vous plaît, mettre vos réponses dans le chat box. Anxiété maternelle, patient non coopérant. Manque de ressources, manque d'équipement. Donc, nous allons parler de l'usage des signes cliniques et de l'oxymétrie de pouls pour évaluer l'hypoxémie. Parfois, vous pouvez avoir des faux négatifs ou des signes cliniques ne vous permettent pas vraiment de conclure à une hypoxémie, alors qu'il y a une hypoxémie. Vous pouvez faire des erreurs aussi. Certains d'entre vous parlent des patients qui ne coopèrent pas. Donc, voilà là que un des défis qu'ils peuvent survenir. Il y a une excellente ressource. Il suffit de cliquer dessus et vous avez la réponse.
procède. Je voudrais également ajouter que l'on a souvent en train de nous reposer sur les signes cliniques puisque nous n'avons pas souvent d'oxymétrie de poids. Donc, vous devez plus vous reposer sur les signes qui sont dans la partie A que la partie B. De combinaison de ces signes, en l'occurrence. Nous allons avoir une mise à jour. Donc, les signes aux températures à 38,9 degrés Celsius, le pouls à 133, la fréquence respiratoire s'est améliorée à 30, la tension artérielle à 117 sur 38, avec une moyenne à 51, une saturation plus en oxygène est restée à 92. L'exercice physique donne un poids de 20 kg avec un état général mauvais, et une somnolence éveillée, un état de vitesse respiratoire modérée qui ses yeux, l'enfant a une conjonctivite bilatérale, mais il n'y a pas d'écoulement ni d'hyper. Il y a un édème périorbitaire léger sans érythème. Il y a des battements des yeux, des muqueuses collantes au niveau de la bouche, légèrement gonflées, langue haute fraise. Au niveau de la poitrine, il y a une respiration positive du travail respiratoire avec sollicitation musculaire, accessoire et rétraction intercostale et supracostale. Au niveau des poumons, il y a des crépitements aux bases pulmonaires bilatérales avec respiration intermittente. Et phase respiratoire prolongée, il n'y a pas de sudor ni de frottement, il y a une bonne circulation de l'air. Au niveau cardiovasculaire, il y a une tachycardie, un rythme régulier, normal. Il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de frottement. Il y a quelques impulsions dans toutes les extrémités avec des impulsions fémorales et une crise capillaire qui passe 3 secondes. Au niveau de l'abdomen, le bord du foie est palpable à 4 cm sur le bord costal, mais au scratch test, on a un foie légèrement agrandi. Au niveau des extrémités, il y a un œdème sans piqûres dans les mains et les pieds, il n'y a pas de cyanose. Et au niveau de la peau, il y a un érythème palmaire bilatéral sans éruption cutanée, une mauvaise turgescence de la peau avec une légère tension. Docteur Hassan va nous aider à explorer cette partie. La question est de savoir quels sont les signes de violence nécessitant une intervention immédiate ou des points de mémoire. Donc, quelques secondes, le temps d'avoir le temps qui nous. Confusion. Patrick,
Il y a un lien que vous pouvez cliquer pour avoir les réponses, notamment le tableau que vous voyez là. Donc, dans le tableau, vous avez une boîte, la colonne des signes du genre. Donc, là, nous avons obstruction respiratoire, obstruction respiratoire sévère, cyanose nasale, choc. Là, convulsion, signe de déshydratation sévère chez l'enfant avec diarrhée, tachycardie. Avez on se montre une intervention de comment les prestataires peuvent-ils faire la distinction entre la détresse respiratoire et l'insuffisance respiratoire? Pouvons-nous avoir quelques réponses dans le chat? Même avec une réponse continuée, cliquons sur. Donc, le lien, c'est une vidéo. Donc, cette vidéo nous permet de reconnaître la différence entre détresse respiratoire et insuffisance respiratoire. On est la détresse respiratoire et l'insuffisance respiratoire. La détresse respiratoire se réfère à l'oxygénation et la ventilation adéquate. Donc, tout ce qui compromet cette respiration. Donc, augmentation de la fréquence et augmentation du travail. Va entraîner une augmentation de la ventilation par minute. Les signes de détresse respiratoire incluent la réflexion, la réflexion sternale, par exemple, les réflexions interpostales, également un signe de respiratoire avec un enfant qui a besoin de s'asseoir plutôt que de se coucher. À gauche est anxieux et l'autre à droite a des difficultés. L'insuffisance respiratoire est l'autre bout de la palette. Dans les mécanismes de compensation, la respiration respiratoire peut survenir sans avec la détresse respiratoire.
Donc, dans le cas, par exemple, d'un empoisonnement, d'une intoxication. Ici, la cyanose. L'effort de respiration important. Un gastrite avec ce fond. Une respiration qui est visible. C'est strident. Dans la science respiratoire, nous pouvons avoir un changement dans l'état mental avec une stimulation de système sympathique avec l'augmentation du CO2, il y a un effet sédatif avec l'agir endormi. Tendance au sommeil, désaturation. Cet enfant a quitté la détresse respiratoire, son insuffisance respiratoire et peut aller vers l'arrêt cardiaque. Merci, docteur. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est une longue question. Je ne suis pas fatigué de voir cette vidéo. Ressources importantes. Nous avons mis à jour du cas au niveau des interventions. Un plus de 20 millilitres par kilo. Les antibiotiques par voie intraveineuse et du paracétamol. Pour les signes vitaux, la température est à 38,4 degrés Celsius, le pouls à 125 battements par minute, la fréquence respiratoire à 32, une baisse, une pression artérielle à 81 sur 42, donc amélioration, et une saturation en oxygène à 90% sur 4 litres d'oxygène à canule nasale. L'examen physique est resté inchangé à l'exception du pouls en public. Lorsque vous allez cliquer sur ces questions, vous allez avoir les réponses, puisque nous n'avons pas le temps de les parcourir. Nous allons bas. Donc, ça, c'est un diagramme que vous pouvez utiliser. Les différences anatomiques entre l'adulte et l'enfant au niveau des voies respiratoires. Là, vous avez la meilleure position pour une ventilation optimale. Donc, toutes ces questions que vous voyez, vous pouvez vous essayer à y répondre et à les réponses. Nous avons une mise à jour du cas, donc nous avons l'injection de dopamine pour supporter le système cardiovasculaire, l'escalation du
système de l'oxygénothérapie avec une canule nasale à haut débit, 10-20 minutes. Les signes vitaux continuent de s'améliorer. Température 33, plus de 120. La fréquence respiratoire abaisse de 20. 83 sur 44 pour la tension artérielle, la saturation plus d'oxygène à 4 minutes. L'examen physique avec les signes positifs, c'est une conjonctivite bilatérale, pas de d'ictère. Toujours le galop, nous allons continuer. Donc, pour le temps de recoloration capillaire, nous avons moins de 2 secondes maintenant. Donc, le diagnostic chez cet enfant, en conclusion, c'est un syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant. Donc, les critères de diagnostic sont un enfant âgé de moins de 21 ans avec fièvre, signe inflammatoire et signe maladie cliniquement grave. Il n'y a pas d'autre diagnostic plausible et il y a positif pour une infection actuelle ou récente au COVID par PCR. Vous pouvez avoir des ressources additionnelles au niveau de notre ressource d'apprentissage. Et de vous enregistrer centre, vous aurez les liens. Si vous prévoyez pour une année semer du riz, si vous prévoyez pour une décennie planter des arbres, si vous planifiez pour toute une vie éduquer des enfants, ça c'est un peu chinois. Je voudrais saluer tous mes co-panélistes. Nous sommes déçu que l'Internet ne soit pas assez favorable. Merci à tous. Merci beaucoup, docteur Dati, aux panélistes. Nous sommes à la fin de notre session. Et visiter les ressources, le centre de ressources, avec le lien qui est affiché. Vous pouvez intégrer notre groupe WhatsApp en scannant le code QR ou nous envoyer un message. Vous remercions. Et nous invitons à la session 10 qui est prévue pour le 28 octobre 2021. Nous allons discuter des considérations obstétriques pour la thérapie et les soins intensifs. Des questions, envoyez-nous un email à info@basassistantnational.org. Jusque-là, nous vous remercions et à très bientôt. Merci.